Est-ce que tu peux dire Jésus avec moi? Disons Jésus-Christ. Que le peuple dise Jésus avec moi. Nous élevons le nom de Jésus en cœur. Disons Jésus-Christ. Que Adonai soit célébré, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que Jésus-Christ soit loué, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que notre Seigneur soit célébré. Oh, oh, oh Adonai, oh Adonai, nous chantons Adonai. Acclamons Adonai. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui le créateur de ce monde. C'est lui qui nous a pris de 2013 jusqu'à 2023. Adonai, Adonai. Te célébrons parce qu'aujourd'hui nous sommes reconnaissants. Nous te célébrons parce qu'aujourd'hui nous avons traversé une ligne. Nous te célébrons parce qu'aujourd'hui nous sommes là. Nous te célébrons parce que tu nous as pris de loin. De 2013 à aujourd'hui, nous avons connu 10 années de bas, 10 années de baisse, mais aussi 10 années de gloire. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous te rendons grâce. J'acclame parce que ta grâce m'a amené jusqu'ici. Terre sacrée acclame parce que la grâce nous a amené jusqu'ici. La grâce nous a introduite. Cette grâce nous a pris de loin jusqu'en ces lieux. C'est pourquoi j'acclame et je célèbre mon Dieu. Le maître des temps et des circonstances. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au siècle de siècle. Éternel Dieu, ces instants sont à toi. Toi qui avais écrit les jours qui nous sont donnés avant même qu'ils puissent exister. Ces jours existent dans ton livre. Accepte, ô éternel Dieu, d'agréer ce moment. Et que notre service te soit agréable. Et que ce peuple ici assis soit visité, éclairé, édifié par cette parole. Et que nous quittons du ténèbre à ton admirable lumière. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action des grâces et nous disons Amen. Où est-ce que le peuple peut dire Amen? Acclamons très fort le Seigneur et je vous prie de vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Que Dieu soit glorifié pour ce moment précieux. Alléluia. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, que je suis plein d'émotions, mais aussi de joie parce que je suis dans la maison de mon Père. Quelqu'un dit Amen. Quand je dis la maison de mon Père, ce n'est pas seulement la maison des dieux, mon Père, mais je suis dans la maison de mon Père en tant que le fils du pasteur Lévi Kongolo. Quelqu'un dit Amen avec moi. Oh, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ces privilèges que nous avons de commencer cette activité
ce séminaire qui introduit les festivités de nos 10 ans d'existence. Amen. Quelqu'un lève sa main droite et dit avec moi, je suis terre sacrée et je suis fier de l'être. Est-ce que tu peux bien le dire? Lève bien ta main, dis-le avec décision. Je suis terre sacrée et je suis fier de l'être. Bon anniversaire, terre sacrée. Même à vous qui êtes en ligne, qui êtes terre sacrée, nous vous souhaitons bon anniversaire. Que Dieu soit loué. Amen. Nous ne pouvons pas commencer notre allocution de ce soir sans dire merci à notre Père spirituel, le pasteur Lévi Kongolo, qui nous a autorisé, qui nous a offert cette opportunité. De loin où il est, nous lui rendons de vifs hommages et nous lui présentons nos remerciements. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à remercier le pasteur Lévi et la prophétesse Marianne par tes acclamations, s'il vous plaît? Cher Père, si vous nous suivez en ce moment, qu'il me soit permis de regarder la caméra et de vous dire très sincèrement merci pour cette opportunité, mais surtout pour cette marque de confiance. Nos remerciements s'adressent aussi aux membres du CEPAD, le Conseil des pasteurs, anciens diacres et bergers, qui ont manifesté aussi cette confiance envers nous. J'aimerais vous dire merci d'être vive voix devant cette assemblée. Merci à vous tous qui êtes là, chers pasteurs, le pasteur Colu qui est là comme un aîné, le représentant de la mission, pasteur Joseph, nous vous disons très sincèrement merci beaucoup. Merci à vous aussi, peuple de Dieu, qui êtes là ce soir pour suivre cette prédication. Alléluia. C'était déjà fait, mais j'aimerais aussi remercier mon épouse qui m'a accompagné ce soir, ma belle et tendre femme, maman Jedidia Kateba, si on peut acclamer pour elle, s'il vous plaît. Ouais, c'est une grâce d'avoir une femme comme elle. C'est vraiment une grâce. J'aime bien l'appeler ma ressource. Hein, c'est une ressource pour moi. Je puise beaucoup et que Dieu bénisse sa vie. Amen. J'aimerais aussi remercier l'équipe de l'église Terre Sacrée Matadi Mayo qui m'a accompagné ce soir. J'aimerais que là où ils se sont, qu'ils se tiennent debout, s'il vous plaît. Nous sommes tous enfants d'un même Père. Je vous prie de vous rasseoir. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais introduire le message de ce soir. Amen. Nous sommes dans notre grand thème intitulé « Au nom de Jésus, avant, pendant et après ». Alléluia. Et si je dois entrer de vif dans ce sujet, je ne finirai pas. Parce que c'est grand. Alléluia. Oui, c'est tellement grand que si je commence aujourd'hui, nous risquons de passer toute une éternité pour expliquer ça. Mais j'aimerais aborder mon sous-thème de ce soir qui dit « Au nom de Jésus », qui dit « Le pouvoir du nom de Jésus-Christ ». Quelqu'un dit « Amen » avec moi. Amen. Répète avec moi « Le pouvoir du nom de Jésus-Christ ». Est-ce que tu peux le dire avec foi ?« Le pouvoir du nom de Jésus-Christ ». Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais expliquer le mot-clé de ce thème qui est le pouvoir. Le pouvoir, le français le définit comme étant la capacité que possède quelqu'un à produire un effet. Alléluia. La capacité que possède quelqu'un à produire un effet. C'est aussi présenté comme étant la capacité à commander, la capacité de dicter, de diriger, d'orienter. C'est aussi considéré comme étant la capacité à contraindre ou à imposer son autorité. Quelqu'un dit « Amen » avec moi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La capacité de contraindre et de, ou à imposer son autorité. Le nom de Jésus exerce toutes ces trois dimensions dans cette définition. Quelqu'un dit « Amen » avec moi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le nom de Jésus exerce donc son autorité dans toutes ces trois dimensions. Dans toutes ces trois dimensions. Elle fait contraindre ou impose l'autorité de Dieu. Elle a la capacité ou les possibilités de réaliser quelque chose ou de produire un effet. Quelqu'un dit « Amen » avec moi. Quelqu'un dit « Amen » avec moi. Oh, alléluia. Le nom de Jésus que tu invoques ou le nom de Jésus que tu utilises, laisse-moi te dire, a la capacité de contraindre ou de faire imposer son autorité dans ton environnement.
Oh, je n'entends pas ton amen. Elle impose son autorité dans ton environnement. Ça veut dire, là où je suis, étant donné que je suis enfant de Dieu, lorsque j'invoque le nom de Jésus, je suis en train d'invoquer le nom qui impose son autorité là où je suis. Est-ce que tu es en train de comprendre? Ça veut dire que je suis dans mon bureau et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque j'invoque le nom de Jésus, je fais imposer l'autorité de mon Dieu là où je suis. Ça veut dire que ça ramène tout dans l'ordre. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus a la capacité de faire un effet. Si tu peux prendre un marteau frappé sur les murs, ça laisse l'effet. À combien plus fort le nom de Jésus? Quelqu'un dit amen avec moi. Le nom de Jésus a la capacité de faire effet. Ça veut dire que quand le nom de Jésus entre, il vient avec la capacité d'un feu. Et quand le feu passe, le feu laisse les effets là où il passe. Quelqu'un dit amen avec moi. C'est pourquoi nous disons que le feu de Dieu est un feu dévorant. Quand le feu du nom de Jésus passe, il laisse des effets dans son passage. Or, il laisse ses effets dans son passage. C'est pourquoi quand le feu était descendu du temps d'Élie, ça ne pouvait rien laisser. Parce que quand il passe, il balaye tout et ce n'est que la cendre qui reste. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir. Le nom de Jésus que tu invoques est capable de repasser, non, pas de repasser, mais de consumer tout ce qui est de... Oh, quelqu'un me dit amen. Ça consume tout dans son passage. Oh non, tu as une maladie virale. Quand le nom de Jésus passe, il consume le virus. Oh, quelqu'un me dit amen. Oh, quelqu'un me dit amen. Ne soyez pas surpris, quelqu'un atteint du Covid, quand on prie pour lui, le virus est supprimé. Parce que le nom de Jésus a la capacité de faire effet. Quelqu'un me donne un amen bien. A la capacité de faire effet. Ne soyez pas surpris quand Pierre regarde le paralytique, il dit, je n'ai rien, mais ce que je te donne. Il avait quoi en fait? Il avait le nom qui avait la capacité de faire l'effet. Ce que je te le donne. Oh, mais où est ce que tu me donnes? Je ne le vois pas. Oui, ce n'est pas matériel, mais ce n'est pas physique, mais son potentiel, sa portée est au-delà du spirituel, parce que ça quitte le spirituel, ça quitte l'abstrait pour devenir réel. Il lui dit, ce que je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi. Et aussitôt, les paralytiques bondissent. La Bible dit dans d'autres versions, il bondit et s'éleva. Parce que le nom de Jésus a la capacité de faire effet. Quelqu'un me donne un amen bien. J'aimerais entrer dans le stade, sinon je vais rester là. La Bible nous dit, lisons la parole du Seigneur dans Philippiens et dans Hébreux chapitre 13 verset 8. C'est un texte que nous connaissons, certains le récitent même, mais j'aimerais que nous puissions quand même le lire. Quelqu'un dit amen avec moi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13 verset 8, Jésus-Christ, on peut le dire tous ensemble. Ah voilà, il y a des gens qui s'élèvent, c'est bien, vénérons la parole du Seigneur, c'est bien. Est-ce que quelqu'un a trouvé, il dit amen avec moi. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1, 2, 3, Jésus-Christ est le même aujourd'hui et on peut encore le répéter. Amen. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous s'il vous plaît. La première chose que nous devons savoir est que Jésus-Christ est le même malgré tous les temps. Je dis bien tous les temps passés. Alléluia. Depuis qu'il a apparu jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit qu'il est le même. Alléluia. Alléluia. Et s'il est le même, ça veut dire en termes de pouvoir aussi, son nom est le même. Son nom n'a pas été détérioré par les temps. Quelqu'un dit avec moi, en termes de pouvoir, le nom de Jésus n'a pas été détérioré par les temps. Quelqu'un me dit amen. Ça veut dire que le nom de Jésus étant le même, son pouvoir ou sa capacité d'agir a traversé des époques,
a traversé avant que Jésus soit sur la terre, a traversé pendant que Jésus était sur la terre et a traversé l'après Jésus. Quelqu'un dit amen avec moi. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Je vais t'expliquer ce que je viens de dire, mais dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Avant que Jésus puisse être sur la terre, on nous a déjà parlé de lui par Ésaïe. Ésaïe est en train de dire qu'un fils naîtra, on l'appellera Emmanuel. Déjà à cette époque-là, on avait compris qu'il y aura un sauveur qui devait venir, qui devait être avec nous. Or, pour être un sauveur, tu dois avoir le pouvoir de sauver. Quelqu'un me donne un amen bien. Oh, alléluia! On n'avait pas appelé Jésus, on n'avait pas dit Jésus, mais on avait dit Emmanuel. Alléluia. Or, lui-même de son vivant a dit, et voici, je suis avec, Emmanuel veut dire, Dieu est parmi les. Donc, il était déjà là avant le commencement. Son nom était déjà cité et son nom avait été cité avec le pouvoir qu'il devait accomplir. Il devait sauver. Quelqu'un dit amen avec moi. Oh alléluia. Oh alléluia. On avait déjà parlé du pouvoir de son nom à cette époque-là. Et pourtant, il n'était même pas là. Quand Ésaïe parlait de lui, on ne pensait même pas. C'est vrai qu'Israël était en train de gémir. Israël était en train d'attendre un sauveur, mais on ne savait pas que ça devait être lui. Quelqu'un dit amen avec moi. Et dès son vivant, la Bible dit dans Actes 10, vous savez comment Dieu avait oint Jésus de puissance, allant en tout lieu, faisant du bien à tout le monde, guérissant les malades, faire marcher les paralytiques, parce que le pouvoir était en lui. Quelqu'un dit amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le nom de Jésus, quand il entrait, le fou des Gadara pouvait le regarder et dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce qu'il incarnait le pouvoir. Alléluia. Il incarnait le pouvoir. Le pouvoir était en lui. Quand les démons le voyaient, il criait, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus-Christ de Nazareth ?» Oh, mais comment Jésus-Christ de Nazareth pouvait avoir un problème? Parce que son nom incarne le pouvoir d'avoir effet. Quelqu'un me donne un amen bien. Et quand il est parti, il a dit, « Je m'en vais, mais je vous laisse le nom. » Le nom de Jésus, après, a accompli tout ce que nous voyons dans la Bible par les apôtres. Quelqu'un me donne un amen bien. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Après sa mort, le nom de Jésus nous a été donné avec plein d'héritages. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout. Non, qui était? Au-dessus de tout. Alléluia. Après sa mort, la Bible nous montre que Dieu avait pris son nom et l'a positionné au-dessus de tout. Alors, je ne sais pas quel est le nom qui est au-devant de toi. Je ne sais pas qui est le nom qui te bloque. Je ne sais pas quel est le nom que tu portes. Je ne sais pas quel est le nom qui est en dessous de toi ou au-dessus de toi. Mais le nom de Jésus est au-dessus. Tu ne m'as pas donné un amen bien. Je vais t'emmener pour y arriver. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si le sorcier de ta famille ou de ta tribu m'écoute, tant pis pour lui. Mais j'aimerais lui dire, quel que soit son nom, Fumungani, Tatangani, le nom de Jésus est au-dessus de lui. Le nom de Jésus là est au-dessus de lui. Même s'il s'entête, il dit, Jésus en Wazanani. Il connaît en fait, c'est pourquoi il cherche à connaître c'est qui. Alléluia. Il connaît, mais il ironise. Ça veut dire qu'il sait, mais oh, ça a semblant. Alléluia. Le nom de Jésus est donc un héritage pour nous tous. Quelqu'un dit amen. Lorsque nous vivons après la mort de Jésus, nous vivons avec un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi je mérite te dire, ne crains pas le nom qui est élevé au-dessus de toi pour que tu dises que c'est lui qui avait dit que je ne vais pas évoluer. C'est pourquoi je n'évolue pas. Non, tu as un nom qui te permet d'aller plus loin que ce nom-là. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui a reçu le pouvoir au-dessus de tout nom. Je mérite dire encore à quelqu'un. Le nom de Jésus est un dénominateur commun. Ça veut dire quand nous plaçons les dénominateurs communs, quand le numérateur vient, il change, mais le dénominateur reste le même. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Les mathématiciens savent, lorsque nous tirons les dénominateurs communs, c'est le numérateur qui change. Quel est le numérateur qui est au-dessus? Si c'est ton mariage, laisse-moi te dire, le célibat changera en mariage parce que le dénominateur, c'est Jésus.
Oh, le dénominateur, c'est Jésus. Quelqu'un dit amen avec moi. Si le célibat est le nom, alors le dénominateur, c'est Jésus, ça va changer. Si le nom, c'est la maladie, alors la guérison viendra. Pas seulement la guérison, mais aussi la bonne santé et la pleine forme. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Oh, alléluia. Parce que le dénominateur, c'est Jésus. Alléluia. Vous avez deux fractions. Nous tirons les dénominateurs communs. Et quand nous commençons, c'est lui, il reste là, invariable. Qu'est-ce qui vient? Toi, quoi? Maladie, guérison. Toi, quoi? Stérilité, fécondité. Ça monte et ça change. Parce que moi, les dénominateurs, je reste. Ok, Jésus-Christ demeure ton dénominateur. Peu importe les vents qu'il demeure ton dénominateur. Afin que tout numérateur dans ta vie change. Je déclare sur toi que le nom de Jésus amène un changement dans ta vie. Le changement positif que le monde saura qu'il est le dénominateur commun. Acclame très fort ton Dieu. Le nom de Jésus, la deuxième chose que nous devons savoir, le nom de Jésus n'est pas une propriété privée d'une église ou d'une personne. Quelqu'un dit amen avec moi. C'est un nom qui a été donné pour tout le monde. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus puissant, qui utilise plus puissamment le nom de Jésus que l'autre. Le problème, c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Quelqu'un me donne un amen bien. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je n'entends pas ton amen. La Bible dit, Luc chapitre 9, 49 à 50, Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Quelqu'un dit « Amen » avec moi. Alléluia. Il n'y a personne qui a l'apanage du nom de Jésus. Non, c'est celui qui est plus puissant et pas chez l'autre. Non, 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 non. Ça a le pouvoir pour tout le monde. Mais comment tu l'utilises? Quelqu'un me donne un amen bien. Pourquoi nous parlons de ce message ce soir? Nous parlons de ce message ce soir parce que, étant chrétien, il nous est avantageux de connaître que le nom de Jésus ou les noms que nous utilisons nous a déjà donné tout le pouvoir dont nous avons besoin pour être heureux sur cette terre. Pour vivre bien, le nom de Jésus nous a déjà donné ça. Et nous les connaissons. Mais nous devons savoir comment. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir le même résultat. Comment ça s'est fait? Quand nous utilisons ce nom, on n'aboutit pas à la même chose. Quelqu'un dit amen avec moi. Alléluia. Alors j'aimerais rappeler à quelqu'un ici, ce sont des informations que nous connaissons. Nous connaissons déjà tous le pouvoir du nom de Jésus. Nous tous ici nous connaissons. Plusieurs orateurs l'ont prêché. Vous l'avez suivi sur Internet. Mais j'aimerais quand même le dire pour que quelqu'un puisse s'en souvenir. Quelqu'un me donne un amen bien. Alors voici quelques pouvoirs du nom de Jésus que nous avons retenus pour vous ici. J'ai dit quelques parce qu'il y en a plusieurs. Mais je cite seulement quelques pour gagner notre temps. Amen. Le nom de Jésus a le pouvoir de conférer une nouvelle identité. Quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit dans Jean 1, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir. » Je n'entends pas de devenir. Alléluia. Parce que tu as cru au nom de Jésus, tu as reçu l'identité. L'identité ne s'écrit pas sur le visage, mais l'identité entre en nous. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus nous donne, nous confère une nouvelle identité. J'étais païen, mais lorsque je suis devenu enfant de Dieu, ma peau ne change pas, ma teinture ne change pas, mes cheveux ne changent pas, mais ce que je suis à l'intérieur change. Parce que la Bible dit, en vérité dans l'homme, il y a l'esprit. Ayant reçu Jésus-Christ, mon esprit revêt une nouvelle identité, l'identité de celui qui appartient à la famille de ceux qui ont Dieu comme Père. Alléluia. Oh, amen. Une identité va toujours vous donner le pouvoir d'agir. Mais tu dois d'abord l'acquérir. C'est pourquoi j'aimerais mettre une pause rapidement ici. S'il y a parmi nous quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, il est grand temps que tu puisses prendre cette décision. Parce que tout ce que nous allons dire ici dépend
de l'identité à laquelle tu es. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Alléluia. S'il n'y en a pas, nous continuons. Acclamons très fort le Seigneur. La deuxième chose, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ a le pouvoir de définir la présence de Dieu en un lieu. Quelqu'un dit amen avec moi. Il définit la présence de Dieu en un lieu. Ça veut dire quoi? La Bible dit que lorsque deux ou trois s'assemblent en mon, s'ils s'accordent, c'est que je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que lorsque vous et moi, nous sommes ensemble, nous disons que nous sommes ensemble ici pour Jésus. Aussitôt que nous nous sommes mis d'accord, Jésus est directement devenu notre voisin. C'est pourquoi là où il y a l'ensemble des enfants de Dieu, même si le pasteur n'est pas là, étant donné que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes ensemble au nom, le nom qui a la capacité d'avoir effet, il faut qu'il y ait un effet dans votre vie. Alors je déclare sur toi, toi qui es entré ici, tu auras un effet dans ta vie. Oh, ce n'est pas moi qui te touchera, mais parce que le nom qui a la capacité d'avoir effet est cité sur toi. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Oh, alléluia. Le nom de Jésus a le pouvoir de définir la présence de Dieu en un lieu. Parce que deux ou trois sont assemblés en son nom. Même à la maison, vous vous êtes décidé de prier. Prier au nom de Jésus. Étant donné que vous êtes décidé de vous mettre ensemble en son nom, il est là votre voisin. Je dis bien votre voisin. Juste là à côté. Il est plus réel que les vents qui circulent dans votre maison. Alors soyez-en conscients. Quelqu'un dit amen avec moi. Oh, alléluia. Le nom de Jésus-Christ a le pouvoir de dominer ou de s'imposer dans les temps. Quelqu'un dit amen avec moi. De dominer ou de s'imposer dans les temps. Amen. Oh, est-ce que je peux expliquer ça à quelqu'un? Il est écrit, tous genoux fléchis au nom de Jésus dans les cieux, sur la terre et, dis-le bien, et, ah, je n'entends pas. Et le nom de Jésus a le pouvoir de se dominer dans les temps, de s'imposer dans les temps. Ça veut dire, le nom de Jésus a le pouvoir de s'imposer dans ton passé, sous la terre, de s'imposer dans ton présent, sur la terre, de s'imposer dans le futur, au ciel. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas peur de ce qui s'est passé derrière moi. Je n'ai pas peur de ce que mes aïeux ont connu. Parce que le nom de Jésus a le pouvoir de s'imposer même dans mon passé. Sous la terre. Le nom de Jésus a la capacité de s'imposer dans mon présent. Je dors dans une parcelle où il y a des sorciers. Le nom de Jésus a la capacité de s'imposer dans mon présent. Je n'ai donc pas peur parce que le nom de Jésus s'impose dans mon présent. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Le nom de Jésus a la capacité de s'imposer dans ton futur. C'est pourquoi tu peux regarder tes enfants, tu leur dis, toi, tu seras un grand, toi, tu seras ceci. Parce que le nom de Jésus qui accompagne tes paroles a la capacité de s'imposer dans leur demain. Quelqu'un qui comprend cela dit amen. Oh, quelqu'un qui comprend cela dit amen. Alors j'aimerais que tu lèves ta main droite vers le ciel et dis avec moi, au nom de Jésus. Oh, dis-le bien, au nom de Jésus, je n'ai pas peur de mon passé, ni de ce qui a été fait derrière moi. Parce que le nom de Jésus a le pouvoir de s'imposer dans mon passé. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Et sur mon présent, je n'ai pas peur, même si je suis environné d'une troupe de bandits, d'une cohorte de mes ennemis, des réalités qui me dépassent. Parce que le nom de Jésus a le pouvoir de s'imposer sur mon présent et m'accorder la victoire. Et pour mon lendemain, mon futur est sécurisé parce que le nom de Jésus a le pouvoir de s'imposer même dans mon futur. Quelqu'un qui croit, cela dit trois fois amen. Acclame très fort ton Dieu. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas tes acclamations. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quelqu'un dit amen avec moi.
Oh non, ton grand-père était sorcier, ce n'est pas le problème. Mon problème est que j'appartiens à la famille de ceux qui ont Dieu comme père. Et si j'ai Dieu comme père, ça veut dire que le nom de mon grand frère me donne le pouvoir sur eux. Eux ne pourront plus revenir, mais moi j'ai le pouvoir de dominer sur ce qu'ils ont fait. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je déclare sur toi, bien-aimé, quelle que soit la malédiction, quelles que soient les alliances qui ont existé avant que tu n'existes, David dit, Éternel, tu as écrit les jours qui me sont donnés avant même que l'un d'eux n'existât. Si tu existais aujourd'hui et que tu entends ces choses, ça veut dire que le nom de Jésus vient pour effacer ce qui a existé avant toi, pour qu'aujourd'hui tu entres dans une nouvelle dimension avec Dieu. Alors je déclare, nul et sans effet le décret qui appartient à un mort. Parce que le nom de celui que j'invoque, il n'était pas resté dans le sol. Le sol a été incapable de le retenir. Ils se sont rendus compte. Le sol s'est rendu compte. Il y avait un intrus. L'intrus qui était entré, c'était Jésus. Alors je devais le sortir. Il n'est pas resté, il est sorti. Et ici, il est sorti. Il a fait en sorte que son nom demeure éternellement. Et si son nom demeure éternellement, il enlève aussi ce qui a existé pendant la mort. Oh, quelqu'un me dit amen. Alors sois délivré de cette malédiction au nom de. Oh, sois délivré de ces liens au nom de. Alors sois délivré de ces liens au nom de. Oh, acclame bien le Seigneur. Oh, papa, le médecin a dit. Le médecin a dit. Il a donné quel nom? Il a dit que non, moi je ne peux plus. Tu ne peux plus concevoir. Alors c'est quoi la stérilité? D'accord, ce n'est qu'un nom. Dis avec moi, ce n'est qu'un nom. Oh, dis-moi bien, ce n'est qu'un nom. Alors quand je prends le nom de Jésus, je confronte à ce nom, il monte au numérateur, il change. Le nom de Jésus a le pouvoir de combattre, écoute bien, de combattre, de résister et de vaincre. Quelqu'un dit amen avec moi. Alléluia. Il a le pouvoir de combattre, de résister et de vaincre. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Il commence par dire quoi? En mon. Alléluia. Il ne dit pas que vous verrez. Non, il commence par dire, le miracle là que vous allez vivre commence parce que mon nom vous précède. Oh, je n'entends pas ton amen. Vous les verrez parce que mon nom est en avant. Et si mon nom est en avant, ça veut dire que ce nom-là va être le garant de tout ce qui doit suivre. C'est pourquoi il vous dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, vous ferez ceci. En mon nom, vous ferez... Le nom de Jésus a le pouvoir de combattre, de résister, mais aussi de vaincre. C'est pourquoi les 70 pouvaient rentrer avec joie disant, même les démons nous sont soumis. Parce qu'ils sont partis et ils ont constaté qu'ils étaient vainqueurs. Parce qu'ils étaient partis non pas en leur propre nom, mais au nom de celui qui a la capacité d'avoir effet. Quelqu'un dit amen avec moi. Alléluia. Que le nom de Jésus t'accorde des victoires que tu n'as jamais pu remporter. Alléluia. Tu as longtemps combattu par tes efforts, mais aujourd'hui, je déclare par le nom de Jésus, remporte des victoires que tu n'as jamais pu remporter. Aujourd'hui, dors en paix. Oh, j'ai dit aujourd'hui, dors en paix. Celui qui vient t'étrangler la nuit ne viendra pas au nom de. Le mari ou la femme de nuit qui vient la nuit ne viendra pas au nom de. Aujourd'hui, dors en paix à cause du nom de. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. C'est le nom de Jésus. Le cinquième pouvoir, je l'ai dit rapidement, parce que c'est à titre de rappel. Le cinquième pouvoir est que le nom de Jésus a le pouvoir de l'exaucement. Quelqu'un dit amen avec moi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il dit pas que je verrai. Si je peux le faire, non. Il a dit, je le ferai. Ça veut dire quoi? Quand je prie au nom de Jésus, ma prière est en train de recevoir la signature du visa conforme. Quelqu'un dit amen avec moi. Oh, alléluia.
Les administratifs savent. Quand ils reçoivent un document, ils regardent si le chef a validé. Si le chef a validé, ça veut dire que ça peut passer. Alors quand ma prière monte, quand Dieu regarde ma prière, il comprend que la prière avait reçu déjà le sceau de l'exaucement. Donc je peux le lui accorder parce que le sceau, la marque a été déjà posée. Oh, que tes prières t'apportent les exaucements ce soir. Parce que la marque a été déjà posée. Ce n'est pas la marque qu'on peut effacer. C'est une marque indélébile. Même si on vient la nuit, on ne pourra pas effacer. Même si on vient le jour, on ne pourra pas effacer. Même si on tente de déchirer, on ne pourra pas enlever. Parce que c'est une marque indélébile. Quelqu'un dit avec moi, une marque indélébile. Oh, je n'entends pas. Quelqu'un dit avec moi, une marque indélébile. Le nom de Jésus est une marque indélébile. On ne peut pas le retirer. On ne peut pas l'effacer. On ne peut pas l'oublier. Ça reste là. Quand je prie, je dis au nom de Jésus, ma prière retrouve exaucement. Parce que la marque est là. 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 Je n'ai pas peur parce que la marque est là. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. La marque est là. Oh, c'est quoi cette histoire? On ne voit rien. Vous voulez voir quoi? Ma prière a déjà reçu la marque. La Bible dit, croyez l'avoir reçue et vous les verrez ça. Je suis en face de voir cela s'accomplir. J'attends. Je suis en face de voir. J'attends que ça s'accomplisse. J'attends. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Au nom de Jésus, j'attends. J'attends. Je continue de renforcer la marque. Au temps marqué. Puisque c'est une prophétie qui court à son terme. Au temps marqué, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il ne ment pas. Oh, alléluia. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour, ni un fils de l'homme pour. Ça veut dire quoi? La qualité de l'homme, c'est de repentir. Il change. Tantôt il est bleu, tantôt il est rouge. Il peut même te dire, ah, ce n'est pas moi qui avais dit ça. Pourquoi? À sentir que ça devient nongo. Mais lui, peu importe la grandeur, la hauteur, l'épaisseur de ce qu'il t'a dit, il le fera. Terre sacrée, laisse-moi te dire ce soir. Toutes les promesses que nous avons connues pendant les 10 ans, s'il y a une qui ne s'est pas encore accomplie, nous les verrons certainement s'accomplir. Je ne sais pas ce que toi tu avais saisi, mais laisse-moi te dire, celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous deviendrons grands, nous verrons les dignitaires sortir de ces lieux, ils ne mangent jamais. Oh, ils ne mangent jamais. Si nous avons vu 10 ans de stérilité être répandue, nous verrons 20 ans de stérilité être résolue. Oh, je n'entends pas ton amen. Nous verrons 12 ans, 15 ans être résolus. Parce que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Oh, n'est pas un homme. Quelqu'un dit amen avec moi. Alléluia. Oh, alléluia. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il t'a dit, tu es lumière des nations. Tu vas éclairer les nations. Que Dieu te bénisse. Alors, finissons ce message avec cette deuxième partie. Nous allons faire une remarque ici. Tout ce que nous venons de dire ici, nous tous ici, nous savons que le nom de Jésus a le pouvoir. Quelqu'un dit amen avec moi. Oh, alléluia. Alléluia. Nous savons, et nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons déjà qu'il faut dire au nom de Jésus. Il faut confronter les noms, nous les savons. Mais maintenant, le problème est que les résultats sont différents. Quand les pasteurs Colu utilisent le nom de Jésus, ça bouge. Mais pourquoi moi, quand j'ai fait, ça ne bouge pas? Dis à ton voisin, pourquoi toi et moi, quand on fait, ça ne bouge pas? Oh, quelqu'un dit amen avec moi. Le pasteur Lévi fait dire au nom de Jésus. Automatiquement, ça fait. Même s'il est dans sa maison, il te parle au téléphone, il y a effet immédiat. Mais pourquoi moi, ça ne change pas? Demande un peu ton voisin, mais pourquoi toi, ça ne change pas? Quelqu'un dit amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Malgré tout le pouvoir que nous connaissons, malgré tout ce que le nom de Jésus peut faire, nous ne vivons toujours pas le même résultat.
Alors j'aimerais que tu me suives attentivement. Parce qu'après ici, tu dois sortir d'ici avec des résultats à tes prières. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Alors voici ce que vous ne devez pas faire en utilisant le nom de Jésus. Alléluia. Quand j'utilise le nom de Jésus, c'est bien. Je suis prêt à vivre le pouvoir que contient ce nom. Mais pourtant, ça n'a jamais été cela. Alors qu'est-ce que je ne fais pas ou qu'est-ce que je ne dois plus faire quand j'utilise le nom de Jésus? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu ne peux plus faire quand tu utilises le nom de Jésus? Lorsque tu pries au nom de Jésus, n'aie jamais utilisé le nom de Jésus en ayant une identité douteuse. Quelqu'un dit amen avec moi. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. L'identité douteuse, c'est quoi ici? L'identité douteuse ici est que toi qui utilises le nom de Jésus, est-ce que ce Jésus-là est déjà en toi? Parce que quand tu dis au nom de Jésus, Dieu doit se rendre compte que le nom de Jésus que tu invoques, tu dois être celui qui appartient à sa famille. Pour que tu voies les effets du pouvoir. C'est pourquoi j'ai commencé ici par demander s'il y avait quelqu'un qui n'a pas reçu le nom de Jésus. Parce que si tu ne l'as jamais reçu, tout ce que nous venons de dire ici, toi tu ne le vivras pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Tu peux recevoir, tu peux sceller, tu peux capter, tu peux je ne sais pas moi quoi. Mais si Jésus n'est pas là, tu ne verras pas ça. Parce que même ta prière n'aura pas une marque. Donc Dieu, quand il regarde ta prière, il dit ça, ce sont du bruit là. C'est comme une cymbale qui retentit. Quelqu'un me dit un amen bien. Oh alléluia. Oh alléluia. En citant le nom de Jésus, vous citez le nom du Fils de Dieu. Donc le nom de Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi. En citant le nom de Dieu, pour avoir les faits, vous devez connaître qui est ce Dieu-là. Comment est Dieu? Dieu est saint. Est-ce que toi, tu es saint? Dieu est fidèle. Est-ce que toi, tu es fidèle? Même envers ton voisin, tu n'es pas fidèle. Alors, envers Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que quand Pasteur Colu utilise le nom de Jésus, il a des effets, il a des résultats, mais pas toi. Parce que tu utilises les noms de quelqu'un qui, sa nature n'est pas en toi. Alléluia. Hein. Tu es chrétien aujourd'hui à l'église. Juste après maintenant, quand tu sors, tu deviens païen. Tu deviens Maman Ngalissa. Quelqu'un dit amen avec moi. Oh, alléluia. Tu deviens Frère Bombas. Tu deviens, je ne sais pas moi qui. Quand tu vas te mettre à genoux, même si tu jeûnes, le nom de Jésus n'aura pas des effets. C'est ce qui fait que vous demandez, vous priez beaucoup, vous dites beaucoup au nom de Jésus, mais les effets sont piètres. Il n'y en a presque pas. Alléluia. Vous savez, quand on ouvre la bouteille d'un coca, excusez-moi si c'est la pub, quand on ouvre la bouteille, il y a le son qui sort. Pff, mais pourquoi ça s'arrête? Parce que tout ce qui est dans cette bouteille-là n'est pas seulement ça. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas ce qui est sorti, mais ce qui est resté. La nature. Alléluia. Amen. Celui qui veut voir le résultat du pouvoir du nom de Jésus, tu ne dois pas utiliser le nom de Jésus en ayant une autre identité, une fausse identité. Tu vas détruire. Une fausse identité, c'est une vie de péché ou une vie à double vitesse. Quelqu'un dit amen avec moi. Oh, alléluia. Une vie à double vitesse, une vie de duplicité. Tu ne pourras pas vivre le résultat du nom de Jésus. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, avant de dire à Dieu que tu es menteur, avant de dire à Dieu que Nazo Monate Bando Lakaki, commence d'abord par voir de quelle manière tu utilises le nom de Jésus. Est-ce que ton identité est celle qui est en conformité avec ce nom ou c'est une autre identité? Le peuple de Dieu n'aime pas ce genre de choses et pourtant c'est la vérité. Alléluia. 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 Tu peux t'élever, tu scelles, tu captes, tu lis, tu fais tout ce que tu fais là. Mais si ton identité n'est pas celle qui répond, ça veut dire ton identité n'est pas en cohérence, n'est pas compatible, voilà le mot, n'est pas compatible au nom de Jésus, tu ne pourras pas vivre le résultat du pouvoir du nom de Jésus. Quelqu'un me donne un amen bien.
De même que l'enfant qui naît reçoit un nom qui l'identifie, ainsi celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie reçoit aussi toute une identité face au domaine spirituel. Le spirituel, c'est ce qui contrôle le physique. Si tu peux impacter sur le spirituel, tu dois avoir une identité. C'est pourquoi à certains on demande, toi tu es où? Tu n'as rien, tu es où? Parce qu'on veut sentir tu es de quel côté. Alléluia. Oh, alléluia. Utilisons, n'ayez jamais utilisé le nom de Jésus en ayant une autre identité. Si vous utilisez une autre, le nom de Jésus en ayant une identité douteuse, vous ne verrez jamais le pouvoir du nom de Jésus. La deuxième des choses que vous ne pouvez pas faire en utilisant le nom de Jésus, n'ayez jamais utilisé le nom de Jésus-Christ par familiarité. Quelqu'un dit avec moi par familiarité. Alors je n'entends pas, dis bien par familiarité. Ça veut dire quoi? Toutes les fois que Marie appelait le nom de Jésus, elle ne voyait pas le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle appelait comme étant son fils. Jésus, il y a un autre qui l'a amaï. Alléluia. Par familiarité. Elle ne pouvait pas voir le Jésus capable de guérir les malades. Elle ne pouvait pas voir le Jésus capable de faire marcher les paralytiques. Parce qu'elle l'appelait par familiarité ou par habitude. Toute le foi que Marie appelait ce nom-là, ce n'était pas. La Bible dit, Luc 1:31, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Donc, quand Marie appelait Jésus, là, il appelait parce que c'était son fils et non parce que c'était le sauveur. Que veut dire appeler par familiarité? Ça veut dire vous appelez sans découvrir la valeur, sans découvrir le sens, sans connaître ce qui est caché, le pouvoir qui incarne ce nom. Vous l'appelez seulement. Et Zézi, c'est le nom qui sauve. Quelqu'un dit amène avec moi. Tu regardes ton match, quelqu'un joueur qui manque les buts. Et Jésus, et familiarité. Quelqu'un dit amène avec moi. Si tu utilises le nom de Jésus par habitude, par familiarité, sans comprendre le contenu de ce nom, tu ne pourras pas vivre le résultat de son pouvoir. Car tout ce que Dieu peut faire dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un, c'est à la dimension de la connaissance que tu as de son pouvoir. Quelqu'un dit amen avec moi. Si je connais que le nom de Jésus, ça... c'est une vérité pour les services de délivrance. Si je connais que le nom de Jésus a le pouvoir de chasser les démons, si je me tiens là, je regarde un démon et je dis, sors au nom de Jésus, il va partir. La connaissance. Je ne l'appelle pas par familiarité, mais je sais que le nom que j'ai a le pouvoir de chasser. D'où je dis, sors esprit impur, il part. Alléluia. Amen. Mais si tu l'appelles parce que tu as l'habitude de le faire, parce que tu as l'habitude de dire, parce que tu as le langage facile, tu l'appelles par habitude, tu l'appelles parce que tu veux, parce que au Messana, parce que sache que tu ne vivras jamais le pouvoir caché dans le nom de Jésus-Christ. Et le troisième point qui est presque similaire à celui-ci est que n'ayez jamais utilisé le nom de Jésus par information. Quelqu'un dit amen avec moi. Que veut dire information? C'est-à-dire sans avoir une expérience ou une bonne information juste parce que tu vois quelqu'un le faire. Je vois le pasteur Joël le faire. Je vois pasteur Yvette quand elle le fait au nom de Jésus, ça bouge. Moi, je vais dire au nom, bien-aimé. Les fils de Sheva ont fait la même chose. Mais le résultat était que le démoniaque les a assujettis. Parce qu'ils ont utilisé le nom de Jésus par information. Alléluia. Oh, amen. Amen. Quand j'utilise le nom de Jésus par information, ça veut dire je l'utilise parce que je vois pasteur Grâce le faire. J'utilise parce que je vois pasteur Alette le faire. Je l'utilise parce que je vois la prophétesse Marianne le faire. Mais toi-même, tu n'as pas encore palpé, tu n'as pas encore vécu l'expérience avec ce nom, sache que tu es en train de l'utiliser seulement parce que tu as entendu parler. Ça veut dire que tu l'utilises par information. Tu ne vivras pas le pouvoir caché dans ce nom. Alléluia. Oh, alléluia.
Actes 19, 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Toi aussi tu peux le dire, je te chasse par le Jésus que le pasteur Lévi prêche. Le démoniaque sera là en train de te regarder, il te calcule. Et quand il finit de te calculer, il te tiendra seulement là, il t'étrangle. Bouillaye, venez parce que tu l'as utilisé par information. Et quand je l'utilise par information, je ne verrai aucun résultat. Quelqu'un me donne un amen bien. La quatrième chose que vous ne devez jamais faire lorsque vous utilisez le nom de Jésus, n'est jamais utiliser le nom de Jésus en étant un ennemi de jeûne et de prière. Alléluia. Oh, alléluia. Un ennemi de jeûne et de la prière, tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore eu le temps de traiter tes propres prières, tes propres problèmes dans la prière. Comment tu veux utiliser le nom de Jésus et voir les résultats? Je vais t'expliquer. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Lévi qui a dit l'autre fois dans la masterclass, il a dit, lorsque vous priez pour les malades, en fait, ce n'est pas les malades qui partent, mais c'est la maladie en fait qui vous reconnaît. Parce que vous avez l'habitude de les traiter déjà dans la prière. Quelqu'un dit amen avec moi. La pauvreté quitte mon corps, quitte ma maison, parce que j'ai déjà l'habitude d'aller traiter ça dans le jeûne et de la prière. Donc quand je parle, pauvreté sort, la pauvreté m'obéit parce que ce type, je l'ai déjà connu quelque part. Quelqu'un dit amen avec moi. Mais si toi, tu ne pries pas, deux, tu ne jeûnes pas, tu ne pourras pas utiliser le nom de Jésus et en voir le résultat. Quelqu'un dit amen avec moi. Oh, quelqu'un dit amen avec moi. Le jeûne et la prière nous qualifient à vivre le pouvoir du nom de Jésus. Non qu'il augmente la puissance ou le pouvoir, mais ça fait que le problème que vous traitez vous reconnaisse parce que vous l'avez déjà traité dans le secret. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre le pouvoir du nom de Jésus, si tu veux expérimenter ce que tu vois dans les hommes de Dieu, sois un habitué de jeûne et de la prière. Sois un ami de jeûne et de la prière. Sois quelqu'un qui cherche Dieu dans le secret, dans le jeûne et la prière. Et quand tu sortiras, quand tu parleras, quand tu diras, le nom de Jésus aura des effets immédiats. Tu auras des effets escomptés, comme on dit. Parce que tu seras celui qui va traiter cela dans le jeûne et de la prière. Quelqu'un dit amen avec moi. Oh, alléluia. Et pour finir, la cinquième chose qu'il ne faut jamais faire, n'est jamais, alors jamais, utiliser le nom de Jésus-Christ en l'associant avec un autre nom ou avec un nom d'homme. Alléluia. Oh, amen. N'est jamais utiliser le nom de Jésus en l'associant à un autre nom ou à un nom d'homme. La Bible dit dans Acte 19, 13, on l'a déjà lu ici, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Non. Quand tu te tiens devant un démoniaque ou devant une situation, tu dois dire carrément au nom de Jésus. Lorsque vous associez le nom de Jésus avec le nom d'homme, tu es en train de partager la gloire de Jésus avec un homme. Or, notre Dieu est un Dieu jaloux. Quelqu'un dit amen avec moi. Si notre Seigneur est un Dieu jaloux, il n'acceptera pas de partager sa gloire avec quelqu'un. Donc, il faut éviter d'utiliser le nom de Jésus avec le nom d'un homme. Parce qu'en associant le nom de Jésus avec un homme, tu partages la gloire de Dieu à la gloire d'un homme. Et Jésus ne peut pas agir. L'ange de Dieu, en donnant le nom de Jésus, ne l'avait pas précédé ni fait suivre d'un autre nom. Il a dit, on l'appellera Jésus. À toutes les fois que vous voudrez utiliser le nom de Jésus et avoir les effets, vous devez éviter d'accompagner le nom de Jésus avec ces cinq choses que nous venons de dire. Parce que lorsque vous accompagnerez avec ces cinq choses que nous venons de dire, non pas seulement que vous ne verrez rien, mais votre situation continuera à persister. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous utiliserez le nom de Jésus dans la bonne forme, en respectant ces cinq choses, voici ce qui arrivera. Le ciel va donner l'ordre à la terre. Le ciel donnera ordre à la terre. Et la terre
exécutera. Quand la terre exécute pour vous faire du bien, le monde des ténèbres sera empêché de vous arrêter parce que le nom de Jésus va bouger le ciel. Le nom de Jésus va donner l'ordre de l'exécution et votre vie va atteindre une nouvelle dimension. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le nom de Jésus n'est pas mort. Le nom de Jésus est vivant. Le nom de Jésus est certain. Utilisez-le en respectant ces cinq éléments. Utilisez-le en respectant ces cinq choses et vous verrez la gloire de l'Éternel s'éclater dans votre vie et vous verrez l'Éternel Dieu s'élever dans votre vie et accompagner votre prière par de miracles, par de puissantes œuvres. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous avons apporté cette parole et nous disons Amen. Oh, nous disons Amen. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Oh, je n'entends pas ton Amen. Disons Amen. Oh, je n'entends pas ton Amen. Disons Amen. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu pour le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu pour le nom de Jésus-Christ. Parce que ce nom n'est pas mort. Ce nom de Jésus n'est pas fini. Mais lorsque nous l'utilisons mal, nous perdons.